Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis chez Renault dans une petite nacelle. Ouais, je vais vous présenter des véhicules utilitaires parce que Renault sait faire pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir, ils savent faire des nacelles mais aussi des ambulances comme on a à côté. Et on peut faire plein de trucs, par exemple, hop, si je veux finalement aller sur le côté, hop, je vais me balader. Bon, je sais pas trop où aller, mais en tout cas, je vais vous faire découvrir pas mal de nouvelles choses aujourd'hui. C'est parti! Bon, au final, aujourd'hui, je vais vous parler de Renault Pro Plus. C'est des concessions dédiées aux professionnels. Donc, les professionnels ont besoin de voitures, enfin, d'utilitaires de cette façon. Par exemple, avec des bennes, avec des nacelles. Ils peuvent également vous proposer des ambulances, des camions réfrigérés, des camions food truck. Je vais essayer de vous en montrer pas mal parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment pas mal de choix. Il y a aussi le côté qui était Renault Tech avant. L'ancienne branche de Renault Tech qui faisait des véhicules PMR et autres, qui s'appelle maintenant Customize, je vous en montrerai deux, trois. Par exemple, on a un Kangoo dédié au PMR ou au transport de personnes et on va faire le tour. Il y a des Kangoo, des Master, vraiment de quoi faire avec Renault qui, sur une simple base, peut vraiment modifier. Ça part à partir de trois châssis, donc on a plusieurs choix entre 3 à 5 mètres cubes, entre 5 à 9 mètres cubes et entre 8 à 22 mètres cubes selon la voiture que l'on va souhaiter. On a trois bases, soit le Kangoo, soit le Trafic, soit le Master, et le Master qui peut être vraiment assez grand. Et de nos jours, il y a de plus en plus de voitures électriques. Petit à petit, ça grappille, mais on reste encore sur du thermique. Mais il y a des avantages également avec le 100% électrique, c'est moins de bruit. Par exemple, pour une nacelle comme ça aussi qui fonctionne en électrique, ou l'ambulance, ou les voitures de pompiers. Alors aujourd'hui, on est chez Renault Pro Plus, au cœur du marché de Rungis. Donc il faut rentrer dans le marché pour accéder à cette zone. Et elle est proche de l'entrée. Bon, on peut voir qu'il y a des gens en hauteur. Rungis, un petit truc, c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est 12 000 personnes qui travaillent ici à l'intérieur. Je vais vous faire une petite visite à la fin de cette vidéo. Un petit peu des halles, on va visiter la halle fromage, la halle fruits et légumes et la halle fleurs. C'est assez impressionnant de voir tout ce qui se passe. On n'arrivait pas forcément très très tôt dans la nuit. On arrivait quand même aux alentours de 6 h du matin. Ou à 6 h du matin, il y a déjà une partie qui est passée. Mais les pros travaillent très tôt ici. Rungis, c'est quand même le premier marché du frais dans le monde. C'est le plus gros. Il y a d'autres marchés qui existent, mais Rungis, c'est même un pôle européen où il y a vraiment beaucoup de camions qui viennent partout en Europe livrer, et également après des camions de ce style là qui redispatchent un petit peu partout en France ou sur l'île de France puisque on est proche de Paris. Les véhicules transformés par Renault, c'est environ 27 000 véhicules l'année dernière, ce qui est quand même assez impressionnant en France. Les Renault Pro Plus, ils sont disponibles dans 25 pays et il y a 600 centres Pro Plus comme ça pour les professionnels dans le monde entier. Renault nous a invités à parler un petit peu de ces véhicules transformés et Renault représente en France 31% des véhicules transformés. Ensuite, il y a Iveco et ensuite, il y a tout le reste qui ont vraiment une plus petite part. Bon, je vous montre un petit peu tout ça. C'est parti, je vous emmène directement, point de vue de moi, pour vous expliquer un petit peu tout ça. Je vous emmène découvrir donc plusieurs types de modèles. Là, par exemple, on peut voir un petit peu une petite scène ou un camion de réception. Alors, ça peut être par exemple pour un don du sang ou autre. On peut voir qu'il y a une banquette, du commercial. De ce côté-là, on peut retrouver par exemple un petit lavabo. Alors ça, je pense, voilà, ça peut être le top pour du don du sang. On a l'imprimante ici et c'est des choses entièrement personnalisables. On peut voir qu'il y a une climatisation également. On peut rentrer de ce côté-là, de ce côté-là. Et en vrai, c'est top si vous avez un petit stand que vous êtes amené à vous déplacer beaucoup. Vous pouvez mettre vos logos sur les côtés. Là, on peut voir qu'il y a même de l'éclairage ici. Petit escalier et tout ça est personnalisable. Donc on peut voir que Renault est partenaire de plusieurs carrossiers qui vont modifier directement votre voiture. Donc ils prennent la base, vous allez dans un centre Renault Pro Plus comme ici, vous leur dites voilà, j'ai telle activité, j'ai besoin de telle chose, et ensuite ils vont vous conseiller sur le meilleur modèle à choisir pour votre activité. Pour tout ce qui est travaux, BTP et autres, on peut avoir les bennes de cette façon. Donc les châssis sont un petit peu modifiés, donc on a celui de base, mais ensuite on peut rajouter des éléments comme cette benne ici, inclinable. À l'intérieur, ça reste toujours la même chose, donc on garde les mêmes portières et autres, c'est juste la partie arrière qui change, mais tout l'intérieur de ce côté-là reste inchangé et identique.
Après, tout est réglementé, il y a bien sûr des normes à respecter, et sur l'avant, donc vraiment la même chose. On peut voir équipé pour les chevaux de cette façon. Alors, j'étais jamais rentré à l'intérieur d'un camion équipé pour les chevaux. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que je vais pouvoir vous présenter l'intégralité de tout, même l'ambulance, juste après pour ceux qui sont jamais montés en ambulance. Donc de ce côté-là, pour que les chevaux puissent descendre, parce que souvent on les fait rentrer vers l'arrière et ils puissent ensuite descendre sur le côté. Donc si c'est peut-être de ce côté-là également, je sais pas. Parce que je pense pas que le cheval puisse monter ici. Donc ce sera sûrement de côté. Et ici, petite rangée pour le cheval. Et de l'autre côté, on peut mettre son copain. Ok, et ensuite, bah oui, ça, il redescend ici alors. De ce côté-là, on a une ambulance. Alors, je t'ai jamais rentré dans une ambulance avant aujourd'hui. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, j'espère ne pas y aller trop souvent. Un siège de ce côté-là, le petit brancard, bien sûr, qui est coulissant. On peut le décaler sur le côté. Et ça, c'est des véhicules qui sont également vendus tout équipés lorsque vous le souhaitez. À partir de 167 000 euros hors taxe pour cette version. 67 000, oui, à partir de 167 000. Voilà, le brancard, la dame qui nous le manœuvre. Et puis là, je peux me croire pour un sauveteur. Donc ici, on peut voir qu'il y a pas mal de choses. On a l'heure, la cabine de l'autre côté, les boîtes à gants et autres. Et tout peut se manœuvrer. Ensuite, il est beaucoup plus facile également, dans ces conditions, de bouger. On a les sièges qui s'orientent sur le côté. Hop, alors il faut relever cette partie. Parfait, merci bien. Ensuite, on peut voir de l'autre côté. Alors, quelque chose qui est plus spacieux. On peut avoir jusqu'à 30 mètres cubes environ. Donc là, par exemple, hein, on dirait des bananes. Je ne sais pas ce que c'est. Où il y a énormément d'espace. Donc, on peut voir plus petit, cette taille-là. Et sur la base, à chaque fois, on part sur un master. Donc là, par exemple, c'est marqué ici également. Donc là, un master un petit peu plus équipé pour du transport, par exemple, avec des étagères pour des gens qui vont faire de la livraison. Par exemple, La Poste, DHL, UPS, ce genre de marques ont ce genre de camion. Sauf que celle-ci, par exemple, il y a une porte ici pour y accéder directement de l'intérieur. Donc un siège et un petit strapontin d'appoint. Ça veut dire que ici je peux conduire, hop, j'arrive au 52 rue Jean Jaurès, et eh bien je peux ensuite directement prendre mon colis, hop, il est juste là, et descendre. Voilà. Plutôt original, j'aime bien faire des expériences un peu différentes. Là-haut, on a la nacelle, donc la nacelle dans laquelle je suis monté pendant la présentation. Donc pareil, on peut avoir toujours ce master. Donc positionné sur le côté, comme vous pouvez voir, il n'y a même pas de vérin sur le côté pour maintenir l'appui, puisqu'au final, comme c'est des nacelles légères, on n'a pas besoin. On peut faire le tour, monter et descendre. Celle-ci monte jusqu'à 11,40 m, et tout à l'heure, j'étais à 11,40 m, plutôt pas mal. On a le support de ce côté-là. Juste ici, on a toute la partie électrique, et pareil, des bacs de rangement, si on a des choses à faire, par exemple, pour aller mettre les décorations de Noël. Et là, comme on peut le voir, il est positionné assez haut et il se balade tranquillement. Et en fait, c'est très facile. Je vous remontrerai peut-être juste après comment on manœuvre tout ça. De ce côté-là, une version avec un double essieu. Donc le master, ça qui était rallongé et on peut rajouter du poids. Donc là, jusqu'à 2000 kg à l'arrière. Donc il y a des sociétés qui rajoutent un essieu si on a besoin. Et même le plateau à l'arrière pour pouvoir faciliter l'accès. Donc pareil, ça vous pouvez, donc ça c'est Maxi Cargo qui fait ça, carrossier partenaire de Renault Pro. Et donc à l'arrière, ça, et je monte là-dedans, du stockage, pareil on peut équiper, c'est rempli d'options. Ensuite, de ce côté-là, la benne, voilà, simple, une borne de recharge puisque de plus en plus de voitures seront électriques à l'avenir. Je pense que même pour les professionnels, il va y avoir quand même pas mal de changements. Allez, on continue sur les gros, celui-ci. Donc le Sound Truck, c'est Renault qui a développé ça avec le rappeur Youssoupha pour aller faire le tour de France et faire dénicher des jeunes talents avec cette voiture et pouvoir enregistrer à l'intérieur. Donc pareil, master, on peut brancher bien sûr comme sur un camping-car, l'alimentation. On peut voir que ce côté-là, il n'y a rien. Une petite vitre ici, en fait, tout l'intérieur a été insonorisé. Alors je vais vous emmener voir l'intérieur, c'est assez incroyable. Let's play, donc là on peut le voir ici, et il va y avoir des vidéos sur internet par rapport à ça. Donc on a le on-air juste ici,
à l'intérieur les petits coussins Renault que j'adore, petite banquette, et surtout, regardez, tout était insonorisé comme au cinéma. Et en fait, lorsque je vais fermer ici, vous allez voir, il y a pas mal de silence, c'est un peu insonorisé. Bon, ils ont laissé des fenêtres ici, mais de l'autre côté, il y a la partie studio. Donc là, on peut voir, il y a le micro, je vais vous emmener là-bas. Et de ce côté-là, la partie studio d'enregistrement. Donc c'est Red House qui crée les studios, qui a fait tout ça à l'intérieur. Et pareil, on peut voir que c'est un vrai studio d'enregistrement, avec les belles enceintes focales. La sono est top, j'ai écouté tout à l'heure, magnifique. Et si je vous emmène de l'autre côté, hop, j'ouvre ici. De l'autre côté, on a double porte pour avoir beaucoup plus d'insonorisation ici. Et alors là, c'est un petit peu plus étroit. Et là, on arrive sur un micro. Et là, de ce côté, si je ferme, il n'y a quasiment plus de bruit. J'ai pas fermé la deuxième porte. Donc, micro d'enregistrement, ça, c'est des micros qui valent une fortune. Et là, je peux voir donc le producteur, le casque pour avoir mes retours. Waouh. Je pourrais me croire pour une star. Genre, Hello. Non, je sais pas chanter. Allez, je vous ramène. Là-bas, on continue notre balade. Il y a vraiment pas mal de véhicules présents aujourd'hui. Un ancien véhicule de chez Renault. Alors, est-ce que quelqu'un saura me dire ce que c'est? La Colorale. Alors, est-ce que c'est le modèle Colorale? Lui, le Renault. Ok, intéressant. Mon avis, c'est pas tout jeune. En tout cas, c'était très joli. J'aime bien les formes. L'intérieur avec le volant. On voit que ça a quand même bien évolué. Hein. Oui, c'est ça. Renault Colorale fourgon tollé. Et ça date de 1983. Eh bien, en quelques années, on voit vraiment l'évolution des voitures. On peut voir ici hein, qu'il y a un stock également d'autres voitures. Ces versions ici, alors j'avais failli les essayer, mais j'avais pas eu le temps la dernière fois quand j'ai fait le Kangoo VU électrique. Mais ces versions existent maintenant en électrique également. Donc on peut voir hein, plutôt spacieux et on a vraiment un centre dédié. Donc là, on a fait les masters, on va passer au Kangoo. Donc Kangoo, c'est pareil, on peut avoir du frigorifique comme celui-ci. Je suis content de faire ce genre d'événement et d'OP puisque en fait ça change. Donc carrossier, le petit forestier qui fait tout ce qui est réfrigéré. Donc ils sont partenaires avec Renault et bien sûr à chaque fois que vous achetez un véhicule de ce style, c'est bien sûr hein, garanti et Renault s'engage sur le châssis, donc 24 mois, et la marque doit également s'engager sur les 24 mois. Oh, des petites pommes, comme on a un Rungis, ici c'était facile à trouver. Et alors je n'avais jamais vu à quoi ça ressemblait à l'intérieur, tout petit comme ça, donc comme l'intérieur d'un frigo, vraiment. Et on peut voir que là-haut, tout est bien isolé. Et la climatisation de ce côté-là. Des pommes fraîches? Allez. De ce côté-là, version un petit peu plus pour la propreté urbaine, par exemple. Donc avec les balais, les cônes. On peut voir, par exemple, pour les paysagistes ou autres, la benne, facile pour décharger, mettre des tondeuses, etc. Là, une version Kangoo rallongée, donc on peut voir que la porte est longue ici. Et pareil, donc, alors je ne sais pas sûr qu'elle sera ouverte, si elle est ouverte, avec un coffre très spacieux. Et pareil, la partie grille est juste ici, si l'on souhaite transformer en plus utilitaire. Alors ce qui est marrant, c'est que celle-ci est en conduite à droite, RHD, peut-être une anglaise. Ensuite, on a le Space Nomad, ça c'est un véhicule que j'ai essayé, en rouge pour ceux qui se rappellent. Donc ça c'est le véhicule de camping. Donc à l'avant, on retrouve la même chose. Par contre, on a une spécificité, c'est que ces sièges peuvent se retourner pour aller manger à l'arrière. Puisqu'ici, on peut y mettre une table. Donc on a une petite option table pour pouvoir manger. Et en fait, donc les sièges peuvent se retourner de ce côté. Enfin, surtout celui-ci parce que là-bas, c'est moins pratique. Et on a la petite cuisinière, le frigo, le gaz, les rangements, et on a le lit qui est juste en haut ici. Donc hop, si je glisse, j'ai mon matelas et là j'ai vraiment mon Space Nomad de camping. Ça j'avais essayé et je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je parte en vacances avec, voir ce que ça donne. Je l'ai jamais fait, je pense que ça peut être intéressant. Allez, on continue, je referme tout ça. Le Kangoo en arrière en utilitaire et donc le Space Nomad avec le toit qui s'ouvre.
la même version mais en simplifié, sans rien, et on dirait que c'est frigorifique également ici, donc dans une version un petit peu plus grande. Il y a encore des pommes, ça va être bon pour la santé ça aujourd'hui, je vais manger elle-ci. Et on peut également avoir un petit peu plus préparé pour faire les marchés, un food truck, donc avec un étalage ici directement. Ça peut être réfrigéré, comme on peut le voir là-haut, ou peut-être plus chaud. Donc tout est possible. En fait, vous avez juste besoin de dire à Renault, j'ai besoin de ça, et on vous le fait. Et là, je peux me prendre pour le boucher de service ou le fromager. Et hop, être ici. Bonjour messieurs, dames, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, bonjour. Un petit poisson, monsieur. Allez, c'est parti. Allez, j'ai des pommes, si vous voulez, des pommes jaunes, des pommes rouges. Ah, je veux bien des pommes, des Pink Lady, si vous avez. Des Pink Lady, j'ai une Pink Lady ici. Eh ben voilà. Voilà, monsieur, c'est cadeau, c'est pour moi. Merci. Ça me fait plaisir. À bientôt. Bonne journée, à bientôt, bon marché. Au revoir. Voilà, au revoir. Voilà. Bon. Si je me reconvertissais, je suis bon pour vendre des pommes. De ce côté-ci, un véhicule par Renault Customized, donc à l'époque c'était Renault Tech, qui fabriquait directement en France des véhicules pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça a changé de nom, c'est Customized maintenant. Donc par exemple, ce Kangoo est assez cool puisqu'il intègre directement la rampe sous la voiture. C'est un aménagement qui coûte entre 10 et 13 000 euros à peu près, selon la version que vous voulez avoir à l'intérieur. Ensuite, on a une petite rampe ici, hop, on la sort, clac, de ce que j'ai compris, ça marchait comme ça. Et ensuite, là, je sors ça. Alors, j'ai pas tout compris, je pense. Hop, que c'est facile. Ça. Ok, on tire vers le bas, on glisse, hop. Et donc ensuite, on peut monter ici directement en fauteuil roulant. Donc, alors effectivement, si je suis tout seul, c'est peut-être pas forcément pratique. Je vais essayer pour vous. Hop. Est-ce que si j'étais là-dedans, hop. Ouais, il faut un petit peu forcer sur les bras, donc on aurait quand même besoin. De quelqu'un. Bon, avec quelqu'un, c'est plus facile puisqu'on peut attacher les sangles juste là-bas. On a à l'intérieur des petits crochets. Alors, lorsque j'appuie sur le bouton ici, qui me permettent de venir accrocher le fauteuil et aider les personnes en accrochant. Et au cas où, ça ne repart pas en arrière parce que repartir en arrière en fauteuil roulant, c'est pas forcément très rigolo. Il y a même des petits aimants ici pour me faciliter la tâche, pour ne pas que j'aie besoin d'aller les chercher à l'intérieur. Et une fois qu'on est dedans, donc, c'est plus pratique. Hop, si quelqu'un m'aide, le plancher est à plat également, ça permet au siège de ne pas repartir trop en arrière. Ensuite, on a deux fixations au sol qui fixent ce fauteuil roulant. Et pareil, on peut avoir soit un siège, soit deux sièges, soit trois sièges, qui sont des sièges de scénic à l'intérieur. Mais le gros avantage de ce Kangoo, c'est surtout que si on ne met pas le logo ici, on ne se dit pas forcément que c'est un véhicule pour personnes à mobilité réduite. Ça, c'est plutôt cool. En limite assez intéressante, là on est dans un petit fromage, il est de 70 kg. C'est le petit, et avec de l'émental. Plutôt intéressant, et donc là on est vraiment dans le marché où on a un stand qui vend que du fromage. Et on voit, c'est bon, vous pouvez l'acheter juste ici. Là on voit, c'est des grands halls comme ça, il y a plusieurs halls, par exemple pour le fromage, pour les légumes, pour les fruits, pour le poisson, la viande. Et à chaque fois, c'est des halls comme ça, entiers, où on peut venir, surtout les professionnels, faire pas de marché. Et là, on est dans les sous-sols d'un des halls où ils ont fait une cave. Et pareil, on retrouve encore des meules vraiment partout. Ça fait 311 kilos. La vache. Ah non, c'est 77, ça veut dire qu'il y a 300 sur la ligne. Énorme. Puis là, on a le lever de soleil sur un gîte. Bon, déjà, une grosse partie des gens est déjà partie. Hein, les camions ont livré déjà. Parce que c'est surtout la nuit que ça se passe ici. Et voilà à quoi ressemblent les halls du côté si on veut livrer en plus gros. Ouais, avec son camion, on peut se faire livrer en palette hein, directement juste ici. Et ensuite, ça va dans le magasin. Ceux qui aiment le vin, là-haut on a le bureau magnétique. Alors moi je ne connais rien, mais ce qui paraît
c'est pas donné. Il est donc là, on va passer au vin dans des caves, bonne température, et il y en a encore plein d'autres par là-bas. Là également, on peut voir ce cheval blanc, ce qui paraît c'est bon. Petite bouteille, messieurs. Et puis là, on retrouve des toutes petites bouteilles. 12 litres, juste énorme. Bon. Il y a le choix ici également. Bon, là, on arrive dans le hall des fleurs. Et on a partout, c'est un hall où il fait 15 degrés toute l'année. Bon, justement, il y a les fleurs. Et puis voilà, vous avez un petit peu le choix. C'est joli. Ça me fait penser un petit peu à Amsterdam, le marché aux fleurs, mais plutôt en extérieur. Regardez comme c'est beau. Toutes les roses. Ça, c'est vraiment les fleurs que je trouve les plus jolies, souvent. C'est vraiment canon quand on en approche. Et c'est impressionnant. Et tout ça, ça finira chez votre fleuriste tous les jours. Ou pour la Saint-Valentin, pour vous faire un malade. Et là, petit lever. Et là, petit lever de soleil sur Rungis. De ce côté-là, tous les fruits et légumes. Et là, on est dans le pavillon des fleurs encore. Et là, marché des fruits et légumes, et c'est totalement différent. C'est également coloré, mais c'est également beaucoup, beaucoup plus vivant. Il y en a partout, et ça sent bon également, tous les fruits. Ça bouge de partout, les palettes. Ça va livrer partout en France également. Regardez comment ça fait rêver. Vous n'avez pas l'odeur, mais toutes ces fraises fraîches là. J'en prends plein les narines. Et là, on voit vraiment qu'il y a trop de temps. C'est pareil au niveau des couleurs. Ça sent trop mal. Bon, ça a l'air vraiment très très bon. Hein. J'ai envie d'en piquer une petite barquette. Bon, ici, c'est beaucoup plus actif. Hein. La mastercine des fruits et légumes, ça commence plus tard. Ça ouvre à 3h du matin. Et ça dure jusqu'à midi. Là, on est sur les melons, les oranges. Il y a un petit peu plus de légumes de ce côté-là. C'est impressionnant le défilé de transpalette et ça livre et ça livre. Et là, on arrive dans un endroit particulier, une boutique particulière où il n'y a que cette plante et vraiment avec une ventilation, une température spécifique. C'est beau. Il y a un peu plusieurs couleurs. Et celle-ci, je l'ai jamais vu. C'est vraiment que c'était tacheté à l'encre. Et là, on retrouve un très vieux camion de pompiers. J'ai l'affiche ici, 1926. Et déjà à l'époque, la marque faisait donc des véhicules et on pouvait personnaliser un petit peu et avoir des véhicules un peu plus utilitaires ou dédiés à des applications spécifiques. Par exemple, le camion de pompiers. Et je crois que celui-ci fait 2 tonnes environ, plus l'eau à rajouter. Pas mal, avec des pneus ici comme ça, plein, des jantes qui n'avaient rien à voir. Et ça continue comme à côté, ce Kangoo TPMR. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change un petit peu du contenu d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et on pourra faire peut-être des véhicules un petit peu plus exclusifs ou différents. Parce que effectivement, c'est pas forcément une Ferrari, mais monter dans une ambulance, c'est plutôt cool. Et pourquoi pas un jour rouler en ambulance avec la sirène, ce serait marrant ça. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.